Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 31e épisode du Let's Play sur Dead Space 3. Donc déjà première chose, désolé pour le petit incident qu'il y a eu lors de l'épisode 30, à savoir la coupure de son que nous avons eu à peu près après 17 minutes d'enregistrement. Donc ça aurait dû me donner deux épisodes, mais comme j'avais une coupure de son pour le reste de l'enregistrement, j'ai préféré faire un résumé de ce qui se passait, d'autant plus que c'était pour une mission secondaire. Alors par contre, ça m'étonne d'être revenu ici. Ah, ça n'a pas sauvegardé. Y a pas eu de sauvegarde pendant la mission? Ah ouais, non, là c'est non. Ah la vache. Bon, bah du coup, on a fait cet épisode là pour rien. Donc, du coup, on n'a pas du tout avancé dans l'aventure. Bon, remarquez, pour la coupure de son. Heureusement que c'est arrivé dans une mission facultative et non lors de l'histoire principale, ça m'aurait bien embêté. Là, j'aurais pas su quoi faire. Alors, par contre, je vais peut-être monter le son dans mon casque. Alors là, par contre, alors pour enregistrer, je vous explique. En fait, on a un aperçu, enfin, j'ai un aperçu avec mon HDP vert, j'ai un aperçu sur mon ordinateur et je peux voir. Du coup, je vois l'image et j'ai coupé le son du programme pour ne pas avoir un retour, parce que du coup, le son entre ce que j'ai dans le casque et ce qui sortirait de mon PC est décalé. Donc, histoire de ne pas avoir deux trucs audio en décalé, j'avais coupé, et j'ai toujours fait comme ça pour mes enregistrements, le son du programme. Sauf que là, je l'ai activé dans le cas où j'aurais de nouveau le problème. Comme ça, je pourrais stopper l'enregistrement et puis le recommencer en cas au cas où ce problème se reproduirait. Si vous regardez ce film, c'est qu'en dépit de toutes nos précautions, la quarantaine est la seule solution. Ouais, donc ça, le son, on l'a déjà vu, ouais. Par contre, je vais baisser un petit peu le son du casque. Là, ça va me perturber du coup, parce que je vais avoir deux fois le son. Je vais peut-être baisser. Ouais, mais faut que j'entende. Ah alors, attendez. J'ai pas de dynabar, je crois. Je n'ai pas de dynabar. Hein, qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, ça, c'est le... C'est ce truc qu'il faut activer. C'est très perturbant du coup. Très perturbant. Donc effectivement. Oh, oh saleté. Oh la saleté qui était bloquée dans le casier. Donc du coup oui, ah, c'est embêtant parce que du coup la mission je l'ai faite pour rien. En plus elle dure longtemps, hein. J'ai mis du temps à la faire en plus. C'est incroyable. En 40 minutes d'enregistrement, pas une seule sauvegarde. C'est très embêtant. Si j'ai l'occasion de faire d'autres missions facultatives, je les ferai plutôt en off. Plutôt que de consacrer des épisodes entiers à ça. Parce que c'est quand même un petit peu... On avance pas trop. Donc s'il y a des ressources à récupérer, des choses à faire, tout ça, je les ferai en off. Comme ça, ça m'entraînera un petit peu aussi pour tirer. Alors toi, tu crèves, merci. Attendez, il y a encore cette bestiole là. Ah purée, c'est pas vrai. Coucou toi. Hop, toi tu meurs. Oh, oh, il m'a lancé sa tête sur moi. Oh, c'est quoi ce truc? Oh, oh, la nouvelle attaque vicieuse. Brûle, créature du diable. C'est quoi? Ah oui, d'accord, c'est un kamikaze. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Boum, désolé. Le son est magnifique. En plus, j'entends bien. Mais du coup, moi je peux contrôler, c'est bien. Donc on va avancer un petit peu, hein, évidemment. On revient là où on était. Donc du coup, si je veux explorer tout ce qui est... Ah bah pour les missions secondaires, ça va être un petit peu foutu. En fait, je pense que j'ai arrêté un tout petit peu trop tôt lors de ma dernière session. Si j'étais allé un poil plus loin, je suis sûr qu'il y avait une sauvegarde juste derrière et j'étais trop pressé d'arrêter. Parce que bon, après un certain temps, je commence à fatiguer, donc j'ai dû couper court à l'enregistrement. Mais je l'ai fait beaucoup trop tôt. La mission était terminée, j'avais plus qu'à revenir à mon point de départ. Et je l'ai arrêté beaucoup trop tôt. Tant pis pour moi.
D'ailleurs, je crois que j'ai un méca charognard qui m'attend à l'établi. Mes deux méca charognards, peut-être. Ok, Zach, j'en ai plein le cul de tout ça. Tirons-nous d'ici. Si vous tenez vraiment à Ellie, faites-le. Pour elle. Vous savez rien écouter ou quoi? Nous sommes le dernier espoir de l'humanité. Tout est fini, Isaac. Tout. Notre dernier espoir est de survivre et de quitter cette foutue planète. Il n'a pas totalement tort. Oh, attendez, un kit de soins. D'ailleurs, est-ce que j'en ai beaucoup? Ah oui. Oh bah oui. Ah bah oui. Oui, oui. Vu que dans la mission spéciale, enfin dans la mission facultative, j'en avais utilisé plein. Donc c'est vrai que là, du coup, je retourne avec tout ce que j'avais. Alors attendez, ah d'accord, c'est par là, c'est ça. Effectivement, c'est par là. Je me suis accroupi par accident. Et il y a un téléphone qui sonne. Excusez-moi, il a fallu que je cours, que j'accours pour le téléphone. Et au final, je n'ai pas réussi à décrocher à temps. Donc oui, je disais, Norton, effectivement, n'a pas totalement tort. C'est vrai que si on veut protéger Ellie... Mais en même temps, Ellie et Isaac, voilà, les survivants, les héros qui ont vaincu les nécromorphes. Oh mon dieu, cette bête est immense. Ah purée, ça me rappelle trop le combat dans le 1, franchement, c'est... Un combat énorme face à cette chose qui est d'une taille titanesque. Alors par contre j'espère qu'on n'ira pas trop loin. Je pourrais peut-être éventuellement en off revenir en arrière pour faire l'émission facultative. Ce serait sympa. Oh, vous devez le voir sur ma webcam, c'est très lumineux parce que j'ai fait des petits réglages avec la webcam parce que elle ajustait automatiquement l'exposition. Donc ça faisait des variations de luminosité qui étaient assez moches à voir. C'était très perturbant, des fois ça arrivait beaucoup. C'était couvert tout à l'heure, et ben là il y a du beau soleil, c'est magnifique. Alors attendez, je vais revenir juste à l'établi pour récupérer mes mécas charognards. Oh magnifique, je brille de mille feux. Je vais peut-être faire un petit... le lance-sonde c'est parfait, du coup je le fabrique. Voilà. Ah oui, oui. Donc effectivement, je récupère le fameux lance-sonde qui est une arme redoutable. Voilà, les mécas charognards sont revenus, c'est parfait. Alors dans mon coffre, je vais déposer ça. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres... Alors, circuit d'amélioration... Est-ce qu'il y a des choses à améliorer aussi? Parce que je vois pas trop. Au niveau cadence de tir, il n'y a rien à... Ah si, il y a peut-être ça. Ouais, pour le lance-flamme. Ouais, je trouve pas que ce soit nécessaire. Alors après, on peut... Ouais, débloquer la fonte. Alors remarquez peut-être que là ça peut être pas mal. Alors peut-être, alors pour les dégâts, alors plus un dégât plus un chargeur, ah c'est pas mal ça. Attendez, si je fais ça, si je fais plus un dégât plus un chargeur et que je fais plus 2 cadences de tir moins un chargeur, ça va juste annuler l'effet du précédent. Moi ce qui m'intéressait c'était d'augmenter la cadence de tir et mais on peut pas, en fait ça a pas d'effet je crois la cadence de tir. Si ça a des effets quand même. Donc moi du coup, le temps de recharge. Attendez.
Attends, non, 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 c'est la capacité en fait. Attendez. Ah, cadence de tir. En fait, c'est. Voilà. On diminue les capacités, donc la capacité c'est la même. C'est juste que. Le chargeur ça n'a pas bougé. Donc en fait, au final, j'ai gagné 2 cadences de tir et 1 dégât. Donc moi, ça me va pour l'instant. On va rester là. Wow. Très dangereux pour du matériel scientifique. Je fais quoi avec ? Il me semble que les scientifiques prenaient des mesures internes. Donc, je suppose que nous allons devoir les perdre. Alors je crois que c'est très bien. Oh non ! Oh non, pas ces trucs-là ! Oh là là, je suis dans la mouise. Boum ! T'es pas mort ? T'es toujours pas mort. Oh, explosion avec le fusil à pompe. Oh mon dieu. Alors je me soigne. Attendez, j'envoie un autre. Eh viens là mon petit. Viens goûter la puissance. Il est un peu con lui, non ? Manqué. Ah, je vais couper le bras. Brûle, créature du diable! Hein? Et hop, t'es mort. Ah. Waouh, ça brille. Allez, on va avancer, on va se dépêcher. On n'a pas que ça à faire. Alors, je ne sais pas si elle était là lorsqu'on est passé par ici la première fois. Mais en tout cas, cette caisse-là, elle est là. Alors, attendez, faut que je surveille aussi pour les mécas charognards. Oups, attendez. Parfait. Attendez, je crois qu'il y en a d'autres, Alors toi... Attendez, c'est mes... Non, ne vomis pas. Et toi, tu pourrais... En fait, je crois que c'est pas un humain, je crois que c'est un... Ouais. C'est pas un humain. C'est un corps d'humain, mais qui est possédé par... une de ces petites têtes, là. Hop, et tu... brûles, créature du... Hey, tu ne vomis pas sur ma combinaison. Hey, comment ça se fait que je peux pas bouger ma... Voilà. Allez hop, crève. Zut. Il a sauté dans un autre corps. Ah mince, j'ai oublié de recharger. Eh non, non, ça ne sert à rien. Vas-y, sors de ce corps. Ça ne sert à rien. C'est bon. Alors là par contre faut tirer dans la tête, je pense. Ah, c'est malin ça, parce que... Est-ce qu'il faut savoir ? C'est que dans les Dead Space, donc justement le principe de Dead Space avec les ennemis a été de briser un petit peu les quelques standards, comme par exemple devoir tirer dans la tête pour être plus efficace. Alors que là, si vous tirez dans la tête des nécromorphes, dans tous les Dead Space c'est comme ça, ça ne leur fait absolument rien, ils continuent à se déplacer, ils peuvent toujours vous tuer. Voilà, c'est pas ça qui va les tuer, c'est vraiment les démembrants que vous allez les tuer. Il y a quand même quelques ennemis comme ça qui font exception. Il y a notamment les bébés dans le 2 qui eux pouvaient se tuer en leur coupant la tête. Enfin, qui pouvaient être tués en coupant la tête. Et deux mécas charognards au même endroit, c'est étonnant ça. Mais bon, fallait. Si on n'y pense pas, ça peut. On peut manquer des trucs, donc c'est cool. Vous allez les avoir déployés. Et donc, effectivement, avec ces ennemis-là, du coup, j'ai l'impression que c'est la même chose. Faut tirer dans la tête pour parce que après tout le vrai nécromorphe. Les gars, je suis là. Dieu merci. Je vais rentrer là-dedans tant que j'en ai le courage. Bon, je suis censé faire quoi? Il y a un lance-harpon de chaque côté de la passerelle du haut. Il devait s'en servir pour lui ouvrir le ventre. Oh, mon sang. Formidable. Je vais voir. Attendez, il y a un ascenseur qui est pas loin, je crois. Ah, il est là-bas. D'accord, ce sont des espèces de circuits qui...
plus j'entends des bruits. Ouais. Donc tout est ok, j'ai encore du son là, donc normalement vous en avez. Ah, autopsie. Vous occupez pas de ça, connard. Ah, je pourrais tuer Norton. Est-ce qu'on peut? Oh, dis-moi qu'on peut. Oh non, c'est dégueulasse. Non, parce que à la limite, si on le tue, ils nous font revenir au dernier point de contrôle, tout ça, vous voyez. Ou alors, on ne peut pas tirer, comme dans les Call of Duty, on peut pas, quand on est tout près de nos alliés et qu'on les vise, on peut pas tirer. Et du coup, là, ça me laisse tirer, ça me laisse gaspiller une munition, mais il meurt pas. Ça, c'est un truc de sadique. Donc, je dois aller... Merci pour l'indication. Mais est-ce qu'il faut que... Alors, attendez. Keep clear. Ouais, lance-sonde. Et je dois le lancer... Où? Ici? Ah non, d'accord. Je dois tourner ça. Je comprends pas, là. Je ne comprends pas. En tout cas, c'est très joli ce qui s'est passé. Non, mais je suis con. Elle l'a dit, en plus. Elle l'a dit, je suis désolé. Voilà. Faut d'abord aller là. Vraiment désolé, hein. Vraiment, mais vraiment désolé. Faut que j'écoute. Faut que j'écoute. Oh. Ah oui, d'accord, faut ouvrir la bête. Charmant. Voilà, et de l'autre côté... Avant de pouvoir vraiment accéder à la bête. Là, ça va être intéressant, hein. Parce que je me demande ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, quoi. C'est effrayant. Bon, ça va pas être, ça va peut-être pas être super long. Joup, hop, et voilà. Voilà. Isaac, vous devez guider la cage jusqu'à l'ouverture. Norton, tu peux nous aider? Quoi? Tu plaisantes, j'espère. Ah, c'est bon, je vais y aller. Aidez-moi à la guider. Ouais, d'accord. Montez dedans. Pénétrer la cavité corporelle. Comme c'est charmant. Bon, je suis prêt. Fais pas de bêtises, Norton, hein. Enfin, en même temps, il est avec moi.